Bonjour à tous, je vous retrouve pour la présentation de la box Le Boudoir et je me rends compte que, je ne le dis jamais, donc pour les personnes qui me découvriraient que maintenant, je suis la fondatrice de cette box, la box Le Boudoir. C'est une box qui met en avant les marques, les créateurs français. C'est une box qui est haut de gamme et c'est une box mensuelle. Le petit carton que vous recevez chaque mois. Le thème de ce mois-ci, escapade parisienne. Avant de vous montrer le papier de soie, je change à peu près 4 fois dans l'année. Sinon, c'est toujours le même avec les petits pois, le blanc avec les petits pois noirs. Mais j'aime bien de temps en temps, pour la box de Noël, la box de fête des mères, la box de février, soit de juillet, soit d'août. On commence comme toujours par la découverte. Enfin, la découverte, vous le savez si vous me suivez sur Insta. Je montre en fait le cadeau de la box Gold. Et ce mois-ci, il s'agit de la marque Âme Buissonnière qui offre à l'un des abonnés, donc ce sera glissé en plus dans sa box, l'un de ses bijoux olfactifs. Le cadeau box gold. Pour l'occasion, nous avons choisi le modèle Paris m'a bien aimé. Nous avons le bracelet et celui-ci à l'intérieur, c'est tout un petit protocole avec des perles de parfum. Enfin, je vais vous montrer tout ça. La petite carte postale. On commence par un petit message déjà à l'ouverture. S'échapper le temps d'une respiration, fermez les yeux, vous êtes ailleurs. Et nous avons la traduction en anglais. Un pochon dans lequel nous avons le bracelet. J'ai choisi le modèle qui est doré avec le cordon, on va dire marron. Donc on a le petit cœur au centre, le cordon. Il est en plaqué or 1 micron, le lien est en coton. Et vous avez cette partie en fait qui vient se dévisser. Il suffit juste voilà, de venir tourner. Et à l'intérieur, vous avez un petit récipient dans lequel nous allons, regarde la petite boîte, nous allons pouvoir ajouter, il faut que je vous montre tous les détails parce que tout est beau, les fameuses petites perles olfactives. On a la petite pince à épiler pour venir chercher les capsules de parfum et ça vient diffuser toute la journée avec les mouvements que vous allez faire tout simplement au quotidien. Le concept est vraiment super sympa. Évidemment, la marque a plusieurs déclinaisons et de cordons et de senteurs, donc je vous invite vivement à aller faire un petit tour sur leur site. Et c'est un bijou qui a une valeur de 79 €. Je vous mets tous les liens des partenaires de cette édition en barre d'infos. Je vous montre donc le flyer de février escapade parisienne. Je me recule de façon à ce que vous puissiez avoir l'intégralité de l'image. Voici le papier de soie de ce mois-ci. J'ai un doute quant au retour caméra. Je commence par le produit qui est un petit peu plus volumineux et c'est un article qui se décline en deux formes. J'ai souhaité travailler de nouveau avec la marque Nina Paris Marie-Antoinette qui se trouve place Vendôme, donc à Paris. Je vous avais mis leur thé parce que c'est leur spécialité, mais ils ont également de très mignons accessoires et je sais que vous m'aviez fait la demande en me disant « Oh là là, si un jour tu pouvais glisser leurs petits accessoires dans la box, ça serait super. » Je vous ai écouté, j'ai vu avec la marque, c'est ok. Donc, la moitié des abonnés aura. Ce sont donc les trousses royales en velours rose, magnifique, qu'on va venir mettre en déco, donc soit dans sa salle de bain, dans son salon, dans sa chambre. Il est tellement joli, on met tout ce qu'on veut. Moi, je l'ai mis en déco dans mon salon. Dans tous les cas, qu'il soit dans une salle de bain, dans un salon, ce sera très, très, très joli. L'intérieur est doublé avec du satin rouge pour venir rappeler un peu ici le logo. C'est super joli. Donc la trousse ronde et la trousse plate. Donc moi j'ai mis dedans du papier bulle pour que ça lui donne un petit peu plus de volume. Qui est super mignonne également. Le petit détail, on a une grosse perle au niveau du fermoir. Et l'intérieur est également rouge doublé avec des petites pochettes à l'intérieur. Les trousses ont toutes les deux la même valeur, à savoir 20 €. Voilà pour le premier article, on va dire plutôt déco. On poursuit avec le bijou. Donc j'ai travaillé avec la marque Galinou Création. Donc pour l'occasion, elle a réalisé, on a choisi auparavant les petites pierres, un bracelet présenté dans cette petite boîte carrée. Tous les bracelets sont uniques. Enfin, vous n'avez pas le même rendu d'un bracelet à l'autre au niveau en tout cas des nacres. Il s'agit donc du bracelet loup
Et ce qui est top avec ce bracelet, on va pouvoir le porter donc en tournant les perles, soit avec que des perles blanches, soit avec un petit nuancier. Là, je les ai retournées et donc ça fait beaucoup plus blanc. Donc on peut vraiment inverser. C'est un bijou qui est doré à l'or fin et comme je vous disais, avec des nacres. C'est un fermoir goutte. C'est vraiment un joli bracelet. Hop. Je vous invite à aller sur le site de la créatrice parce qu'évidemment, elle ne fait pas que des bracelets. Hein. Elle a tout un panel et j'étais ravie de travailler avec elle. Ce bracelet, le bracelet loup, coûte 32 euros. On continue avec l'article beauté, make-up. Il s'agit de la marque Cleaver Beauty qui fait essentiellement des vernis et ils ont sorti une nouvelle gamme. Ce sont des crayons donc pour les yeux, des crayons qui sont vegan, 99% naturels, très hydratants, avec un rendu ultra lumineux. J'ai choisi la teinte Romy. Je le porte sur la paupière supérieure et j'ai fait le petit trait sur la paupière inférieure. Ce qui est super, c'est qu'il est modulable. Je vous montre quand même, parce que je ne vous ai pas montré le crayon en lui-même. Voilà le look du petit crayon. C'est donc la teinte 502 Romy. C'est à base d'huile de coco. C'est pour ça qu'il a ce côté très hydratant et qui est facile du coup à travailler. Je vais le tester également un petit peu sur mon poignet. Vous allez peut-être voir mieux le rendu. Ouais, il est très hydratant. La couleur est dingue. J'espère que vous allez bien vous rendre compte. Et dans tous les cas, je vous mets une photo ici. Du rendu avec les photos vraiment de la marque. Ça sera peut-être plus parlant. Enrichi en huile de coco pour une tenue agréable toute la journée, carrément. Le crayon Romy gris taupe, c'est ça, je cherchais, c'est gris taupe, peut être utilisé en ras de cils, donc sur la paupière, pour intensifier le regard vegan et cruelty free. C'est du Made in France. Ce crayon a une valeur de 11,90€. On continue avec la gourmandise et j'ai réitérer, c'est une marque que j'aime beaucoup et je vous l'avais dit en fait le mois précédent, que je souhaitais travailler de nouveau avec la marque Boissier. Rappelez-vous, je vous avais mis la petite boîte avec les bonbons super mignonnes, féminines, tout ce que vous voulez. Je vous ai glissé de nouveau des petites gourmandises chocolatées cette fois-ci, j'en profite hein, parce qu'on va arriver vers des températures un petit peu plus élevées et ça sera plus délicat de glisser des chocolats. Vous allez voir, trop mignonnes les petites boîtes. Pareil, vous allez avoir la possibilité de recevoir deux modèles de boîtes. Les perles de chocolat, il y a 40 grammes à l'intérieur, c'est une valeur de 7,50€. La marque Boissier est donc une confiserie de luxe qui est dans le 16e arrondissement de Paris. Regardez la petite boîte avec un petit ange. Vous avez la DLC au dos qui va jusqu'au 29 février 2024, donc vous avez un an pour les consommer. Et vous avez également cette petite boîte bleue et dorée. Alors, je vais ouvrir délicatement, voilà, les petites perles de chocolat. Là, évidemment, moi, c'est une boîte que je vais garder en déco. Le chocolat est très, très, très bon, très intense. J'ai donc fait le tour de cette nouvelle sélection de la box de février. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, nous sommes passés à la box du mois de mars. C'est une box qui aura comme un air de début évidemment printanier. Vous allez avoir de très très chouettes découvertes encore avec des marques que j'ai dénichées spécialement pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, de très très jolies choses arrivent pour les box de mars, d'avril, de mai, bref. Je vous réserve de très chouettes choses. Je vous fais un gros bisou, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao.